Et bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on est sur un open world, un nouveau open world, enfin nouveau non, différent de GTA V on va dire, mais c'est vrai qu'il n'est pas nouveau, et est-ce qu'il est bien ou non, je sais pas, il est très, on va dire, sous-côté, j'ai pas encore joué du tout à ce jeu, mais attends, j'étais en mode photo là, j'ai pas du tout encore joué à ce jeu, j'ai un peu commencé vite fait à tâter les trucs, et j'ai surtout vu quelque chose qui était sympa, parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais faire des missions, mais je vais vous mentir que je pense que... Qui me parle là? Ah non, attends, c'est la radio. Wesh! Wesh, mais qui es-tu? Ah ouais. Hein? Pourquoi y a des mecs qui me tirent dessus là? Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai vu sur ce jeu. Mais qui me parle? Off. C'est la radio, voilà. Sur ce jeu, il y avait des codes de triche. Du coup, j'aime bien. Moi, juste faire ça. Voilà, parce que l'émission, je crois savoir que c'est de la merde. Et le jeu en général, la campagne est pas folle. Donc, je me suis dit, c'est quoi? Regardez. Quand je fais. Je sais pas comment. Merde, c'est comment? T'es où? Voilà, triche. J'ai plein de trucs et on va tester, on va voir si ce jeu est bien, voilà, parce que je me suis dit vraiment qu'une mission on allait se faire chier. J'ai fait la mission, la première mission, et c'est de la merde, c'est de la merde, honnêtement, je vous le dis entre nous. Donc je me suis dit peut-être que les codes de triche vont, tu vois pas, donc open world plutôt stylé, on va voir un petit peu, petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas déjà fait. Et puis écoutez, ça change un peu de GTA, on va voir un petit peu, c'est un peu un GTA-like, je viens de te dire, un GTA-like c'est quoi? C'est un jeu qui ressemble un peu à GTA, voilà. Malheureusement, comme il est sorti après GTA, on appelle ça un GTA-like. Voilà, donc, ah oui, c'est vrai que j'ai pas dit, c'est Centro. Oui, voilà, bon, peut-être que vous l'avez vu dans le titre. Effroyable, mais voilà, du coup, vous avez vu, j'ai commencé... Oh là. Frère, j'ai mis déjà le premier code de triche, c'est qu'il n'y a que des véhicules de fou dans la session. Voilà, il n'y a que des trucs de qui spawnent de malades. Donc, c'est pas mal. En vrai, j'aime bien. Merde, putain, je me gourre à chaque fois. Comment je fais? Atroce, effrayant, triche, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Il y a option de grosse triche et option de triche inoffensive. Donc en gros, ça change rien pour votre campagne, alors que l'autre, si. On va se mettre le midi, tu sais quoi? Hop. Oh, oh oui, attends. Minuit, ciel dégagé, tempête de sable, brouillard. Oh là là, j'adore. Ticket de loto augmente l'argent disponible. Mais je vois pas où est mon argent. Donc. Munition infinie, évidemment. Tout puissant, rend le boss invincible. Évidemment, boss ultime, monte le boss au niveau maximum. Évidemment, je sais pas ce que ça change. Épinard, donne au boss une puissance d'attaque, de combat rapproché qui envoie les ennemis dans les airs. Bon, on va tout mettre, allez, ouais, c'est bon. Un peu exotique, où est-ce que j'avais mis pour avoir le véhicule? Voilà, j'ai vu un peu. Grosse roue fait apparaître des monster trucks en ville. Pas tout compris là. Ok, super sense, c'est quoi? Augmenter, enfin super sain, ouais. Augmenter les dégâts infligés par les saints. D'accord, comme vous voulez. Réservoir sans fond. Putain, mais c'est hyper long, attends, infraction routière, les conducteurs ignorent les feux, faible gravité, non, amnésie police, annule la notoriété de la police. Ah, mais c'est que sur, ok. Hein? Comment la notoriété? Ah non. Non, je vais faire ça. Amnésie police, voilà, elle part. Oh là là, et j'ai fait, ouais, c'est quoi ça? Pourquoi il y a le bordel, là? Attends, quoi? Quoi? Pourquoi c'est le bordel? Ah non, mais parce que, merde, atroce. Mais, c'est quoi ça? Attends, j'ai rien compris ce que j'avais fait, là. Effrayant, ce jeu de merde. Par contre, on est d'accord, le véhicule là est juste incroyable, c'est une folie. Ok, des monster trucks. Oh, je sais plus comment il s'appelle sur GTA. Attends, je suis con. Comment il s'appelle? Wesh, il m'a défoncé là. Ah oui. Mais ce jeu ne se veut pas réaliste, de ce que j'ai compris. Franchement, j'ai fait la première mission. Tu sais, quand tu lances le jeu, t'es obligé de faire la mission de toute façon. Et il se veut pas réaliste. Hein, voilà, qu'on me chie pas dessus. C'est très très loufoque. Mais par contre, la map elle est belle. La map est belle de ouf. Par contre, arrêtez d'afficher 40 000 trucs sur mon écran là. Y a pas de beaux véhicules là? Oh, alors toi. Mais pourquoi vous conduisez tous comme des cons? Oh, tu sors de la voiture tellement pour me laisser... Ouais, vous voyez juste pourquoi c'est louche. La meuf sort de la voiture pour me laisser passer. Bon, effrayant. Oh, c'est stylé. Attends, je vais tenter des trucs. Attends. Ah non. Wesh. Ah ouais, on n'est pas sur du... Oui, on n'est pas sur du réalisme. Pour moi, c'est un bac à sable. Ce jeu, en fait... Je sais pas, on va tester. Mais j'ai l'impression, vraiment, visuellement, c'est un bac à sable. C'est-à-dire que tout se casse... c'est pas très réaliste. La seule mission que j'ai faite, je le rappelle encore une fois, les propos étaient un peu à chier. Voilà, j'ai voulu faire une vidéo très clairement sur la mission, la première mission, et j'ai vu que c'était de la merde. J'ai fait, oh, j'arrête là. Voilà. Honnêtement, il y avait rien à dire. Donc là, vraiment, je teste premier degré le jeu hors mission, open world. Attends, style, attends, on peut aller où? Car j'ai pas trop compris en fait comment ça marchait. Fais voir un peu. Ok, la map est grande en vrai. Ok. Ah, 100 000 $, c'est ça, ok, j'ai 100 000 $, magnifique, on va voir si on peut acheter des trucs. Territoire, comté de... Ok, là c'est un peu un désert, ça peut être pas mal. Ah, là c'est un peu désertique aussi, ok. Ah, on peut voir un peu, ok, oui. Stylé en vrai. Ouais, usine.
Alors, est-ce que ce jeu-là est sous-coté finalement, ou est-ce qu'il est sur... Enfin non, il est pas sur-coté. Ce jeu-là, vraiment, aujourd'hui, il est un peu détesté, tu vois. Mais il y avait un problème, je crois. Moi, je l'ai eu gratuit avec le PS Plus, mais je crois qu'à une époque, il valait quand même très cher. Oh, stylé ici les photos. Oh, une grande ville. Ah, mais j'y étais, non? Je suis où en fait là? Je suis où? Mais frérot, bah, tu vois, c'est de la merde pour ça déjà. Tu sais même pas où t'es sur la carte en fait. J'ai fait start, aucune idée d'où je suis. Effrayant. Ah, je suis là. Ah, mais ah, il n'y a pas le point sur la carte. Vous voyez pourquoi c'est de la merde des fois. Ok, ce jeu-là en fait. Alors peut-être que c'est des bugs. Hein. Peut-être qu'il y a des bugs, je peux comprendre. Ah oui, du coup, là, je me vois. Oh, magasin d'alarme. Magasin d'alarme. Magasin d'armes. On va y aller. Ça, on va y... Oh, une tenue. Oh, crois-moi qu'on va se faire une tenue de fils de pute. Pardon. Entreprise, j'ai pas, on s'en fout. Fais voir code de triche. Attends, je vais enlever les mecs qui veulent me tuer parce que c'est atroce. C'est effrayant. Voilà, amnésie faction, tout ça. Voilà, comme ça personne me veut. Oh, effet visuel rétro, c'est moche. Film noir. Ouais, effrayant. Ouais, là, c'est vraiment louche. Sépia, c'est un peu drôle. Ah oui, c'est un peu genre la blague. Ok. Tempête de. Oh là. Oh! Mais oui! Mais oui! Mais pourquoi GTA n'a pas fait ça? Non, mais ça, je suis d'accord. Alors, peut-être que GTA, on peut, remarque. Si, on peut changer le temps. On peut changer le temps sur GTA. Si, on peut. Mais c'est pas autant. Ok, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Là, je suis à la version PS5, hein, évidemment, d'ailleurs. En 4K, carrément. Comme ça, magnifique. Le jeu tourne bien. Le jeu tourne bien, sérieusement. Mais. Oh, non, en vrai, il y a un délire. Il y a un délire. Si vous l'avez gratuit, essayez-le. Sinon, j'ai un doute. Mais c'est un bac à sable. Oh. Ah, c'est ça le truc des vêtements? Ah oui, je m'attendais à un. Je m'attendais à un truc un peu plus. Ah, par contre, je vois pas ma tenue. Acheter. Alors. C'est effrayant. C'est moche. C'est moche ou c'est parce que c'est l'endroit où je suis qui est nul? Oh, vraiment, vraiment, la tenue que j'ai un peu chemise est déjà mieux. Merde. Ah, y a plus de sable. Ah oui, ça s'arrête quand même très vite. Et j'ai plus de voiture. Ah, c'est bon. Mais je veux voir une belle voiture là. Ils sont où les belles voitures, frère? C'est où? Je ne trouve pas de belles voitures. Tu sais quoi? Non, on va arrêter les Monster Trucks, c'est drôle 5 minutes. Mais moi, je veux des belles voitures. Oh, remarque lui. Oh, alors, mais quoi? Non, mais attends, il y a un truc qui va pas. Fais apparaître tous les piétons en costume de mascotte. On va voir ça. Colère refoulée, rend les piétons agressifs. Non, non, chiant, chiant. Ascension, réduit la gravité, ok. Mais non, mais moi, attends, déjà. Tempête de sable. Brouillard. Ah oui. Ah oui, ok. Ok, non, on va faire ciel dégagé quand même et on va mettre minuit. C'est quoi vraiment dans le... Voilà. Voilà. Wesh, wesh. Wesh, on est en deux. Oh, on dirait pas sur Nintendo DS quand tu mettais un filtre. Ok, non, c'est bon. Ok, le fou du métro, le fou du métro. Voilà, et j'ai mis les belles voitures. Magnifique. Alors là, on a tout. Là, on a tout. Je veux une belle voiture. Je veux la vie. Je veux... Non. Non. Oh. Oh. Wesh! Wesh, c'est quoi ça? Elle est friande ton véhicule. Attends, mais ils sont tous custom! Oh, petite Lambo, mais elle est pas. Oh, attends. J'ai dit qu'elle est pas si belle. J'ai dit qu'elle est pas si belle. Le fou. Le fou que je suis. Alors là, mon pote. Mais ils partent du véhicule! Ils essayent même pas de dire bonjour, de... Alors, pourquoi j'ai une arme dans la main? Tu peux pas arrêter l'arme dans la main là? Oh, merde, déjà pourquoi j'ai la radio? Mais ah! Hein? Attends, quoi? Ah, parce qu'il peut changer de... Non, bah ok, d'accord. Oh, c'est stylé. Et comment je fais pour avoir le boost? Tout à l'heure, il parlait d'un nitro. Wesh. J'ai une arme, quoi, là. Attends, le jeu ici, le jeu est stylé. On dirait un peu, alors, en mieux, évidemment. Mais on dirait, vous savez, le jeu mobile à la con, à l'époque, à l'ancienne. Gangster, quelque chose qu'on avait sur mobile, qui était un GTA-like, également. C'est vraiment un GTA mobile. Oh, beau véhicule. Beau véhicule, je me permets, hein. Je me permets, monsieur. Avec tout le respect, on est en ville, j'en profite. Non. Mais voilà. Mais tous les véhicules sont stylés en fait. D'ailleurs, j'avais trouvé un or et il était incroyable. En vert, carrément. Oh, rose. Attends, mais j'adore. En vrai, oui, en fait, ils ont essayé de faire une sorte de GTA où tu pouvais faire n'importe quoi. Enfin, où tu peux faire n'importe quoi. Ok, je peux comprendre. Ouais, ils ont essayé de faire une sorte de GTA où en fait tout est possible et en même temps rien n'est possible. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression, excusez-moi. Qui est beaucoup de trucs ouverts, quoi. Avec tout le respect. C'est-à-dire que. Oh, on peut monter au-dessus des bâtiments? Enfin, il y a un ascenseur. C'est un ascenseur, ça, non? Mais pourquoi je casse les véhicules en un coup? Ça, c'est juste chiant, par contre. Ça, c'est même pas drôle. Genre, juste. Moi, des fois, j'ai envie de les prendre, les véhicules, ou de faire des combats avec des joueurs. Pourquoi il y a un mec qui me veut tirer dessus? Non, monte.
Par contre, premier degré, pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Mais Oh, stylé en vrai. Stylé la map un peu comme ça. C'est vrai qu'elle est belle. C'est vrai que le jeu sur PS5 est plutôt clean. Sur PS4 aussi, je pense. Mais j'avoue que là, en 4K, il y a un délire. Il y a un délire un peu. Même si ce jeu vraiment a reçu énormément de critiques. Oh oui, ah d'accord. Je m'attendais à un. Ok. Effrayant. Alors toi, si je vais pas là-bas, je suis une pute. Alors là, si je vais pas là-bas, si je vais pas là. Comment tu diriges ça là? C'est une merde. Ah, mais tu voles carrément. Ah oui. Je touche. Alors là, je touche pas la manette. Allez, là, il fait toute la map en truc. C'est hyper stylé par contre, Prundug. C'est magnifique. Attends. Frère, ce jeu est un peu sous-côté. Non, en vrai, j'avoue que le jeu est sous-côté. Pour un jeu gratuit actuellement. Oh, j'avoue, il y a un délire. J'avoue, il y a un délire. Alors, je dis pas que c'est mieux que GTA V, c'est faux. GTA V, le broie. Mais en termes de colorimétrie et tout, la nuit, j'aime bien. Oh merde, mais c'est quoi ça? Attends, mais on est où là? C'est un parc. Wesh, wesh, je suis un chiffon, frère. T'as vu ou pas comment il est mort? C'est quoi ça? Ah, c'est un parc d'attractions? C'est un parc d'attractions abandonné? Attends, c'est un peu drôle, on va explorer une histoire cachée. Visite purement historique de Doc Ketchum. Okay. Bon, je pense que c'est une île qui n'existe pas. Une île. Enfin, c'est un truc qui n'existe pas, hein, la map. Hein. C'est pas un truc. C'est pas genre Watch Dogs, Chicago et compagnie, on est d'accord. Oh, c'est stylé de ouf. C'est beau en vrai le jeu. Le jeu est pas moche. Hein. Oh, j'aime bien. Et je vais faire quoi là? Y a rien à faire en vrai. Ça, le problème, c'est. Hein? Y a un truc à faire là? Fais voir. Oh. Utiliser. Oh, hell! Ah oui, ok. Ah oui, voilà. Voilà que c'est pour ça. En fait, ce jeu, c'est vraiment juste tu fais nimp. Peut-être qu'entre potes, ça peut être pas mal. Peut-être qu'entre potes, j'avoue, ça peut être un délire. Oh, attends. Est-ce qu'on peut pas faire un manège là? Y a pas un manège un peu secret où on peut faire? J'ai pas l'impression. Non, y a pas grand-chose qu'on puisse faire en fait. En fait, c'est un monde un peu ouvert, mais y a rien d'ouvert. Explorer une histoire cachée, mais je dois faire quoi? Y a un coffre? C'est quoi là? Pourquoi y a sa marque? Y a une cache là. T'es où? C'est derrière? Hein? Hein? Rechercher? Effrayant, effrayant la scène. Jackpot. Vous avez trouvé des pièces détachées de camions dorés. D'accord. D'accord. Bon, après, le seul problème de mettre les codes triches que j'ai mis qui facilitent la vie, c'est que ton jeu n'est pas sauvegardé, je crois. C'est un peu normal. C'est comme dans GTA. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un like. C'est vraiment un GTA like. C'est que vraiment, ils reprennent énormément de choses qui ont marché sur le jeu. Enfin, qui ont marché sur GTA. Et du coup, voilà, ils en font un combiné. Bon, après, ça n'a rien à voir avec GTA, j'ai l'impression. Parce que là. Non, le jeu est beau. Attends, on va repartir en l'air parce que je sais pas trop comment on fait pour se casser là. Et on va aller dans d'autres endroits, mais j'aime bien. Attends, on va aller où? On va aller où? On va se mettre à notre endroit de con. On a de l'usine là, mais on s'en fout un peu. Pareil, à droite, c'est pas. Oh, le désert, mais qu'est-ce qu'on va y foutre? En fait, déjà qu'il n'y a rien à faire en ville, mais alors dans le désert, effrayant. Oh! Vous irez pas un peu à un parc d'attractions ça? Ça, on va y aller, ça. Alors, ça, si je vais pas au parc d'attractions, au Monte Vista là? Oh, je suis une pute. Merde. Mais j'ai pas mis de points, mais. C'est de la merde! Mais je peux mettre des points? Mais je peux pas. Mais le jeu? Ah, en fait, ouais, c'est ça le problème. C'est que des fois, bon, effrayant, effrayant le truc. Je comprends pas pourquoi. Comment je me. Oh! C'est tout? Bon, c'est tout. Tu vois, c'est des trucs genre. Tu te dis, bon, ok, pourquoi pas? Après, je suis un peu un bandeur de quand le jeu est saturé, tu vois, parce que je veux dire, où il y a plein de couleurs et tout. Donc en même temps, moi, ça me parle un peu. Mais j'avoue que pour avoir fait la première mission, avoir fait, effrayant le vocabulaire que j'ai pu, c'était pas ouf. Donc vraiment, c'était vraiment. Ah, je peux faire ça. Je peux pas respawn là, parce que oh non, je suis dans l'eau. Oh, se téléporter sur les rivages, oui, alors là, 1000 fois. Ça, c'est pas mal, ça, tu vois. Toi, il y a un combiné de choses qu'on veut dans GTA. Après, GTA, y a pas besoin, en vrai, c'est quand même stylé. Alors, je crois que c'est un jeu qui est sorti en 2022, si je dis pas de conneries. Il a bien marché au début, je crois. Et après, il a vraiment été délaissé. Et je pense que c'est. Il est encerclé de bugs. Les blagues sont très connes. J'ai vu des tests hein, du jeu. Et c'est vrai que ça donnait pas envie. Ça donnait pas envie. Mais là, avec des codes de triche où t'as des beaux véhicules, où tu découvres la map, c'est pas mal. Mais le problème, c'est combien de temps ça dure? Est-ce que tu vas vraiment y jouer tout seul, premier degré? Je sais pas. Parce que vraiment. Première mission, par contre la nuit elle dure 40 ans, excusez-moi j'ai mis minuit tout à l'heure, 10 ans après on y est encore. Par contre,
Est-ce que là je peux aller au parc d'attractions? Oui, merci. J'allais dire, est-ce qu'on peut se téléporter? Ça aurait été pas mal, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai une limousine. Oh, il y avait une Zentorno, Zentorno rose, pour ceux qui ont la ref. Zentorno, oui, normalement vous connaissez. Par contre, c'est un peu con, vous avez vu, quand je veux tourner, par terre, ça me fait un truc, ça fait un peu arcade, quoi. Oh, j'ai vu, par contre, la conduite. Oh, la conduite, elle est arcade. Ouais, la conduite est très fois 1000 arcade. Voilà. Mais, oh, il y a un truc là, je peux voler. Il y a un cargon de... Mais arrête. Gros, je touche un véhicule, les mecs, ils volent. Là, il y a un camion de truc là. Ok. Notoriété terminée. Et alors? Hein? Ok. Et du coup? C'est tout? J'ai pas compris. Hein. Alors des fois, franchement, il y a de l'idée, hein. Mais je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, j'ai vu un camion avec de l'argent. Je suis avec et je vois pas ce qu'il faut que je fasse de plus. Bon, c'est pas grave, hein. On va aller au truc avec. Bon, mais mec, mes véhicules, ils sont... Mais wesh. Bon, attends. Venez, on revient quand même au matin. Si ça se trouve, c'est vraiment à l'infini. Voilà. Comme ça, on est au petit matin, tranquillement. Voilà, parce que minuit, vraiment, ça dure longtemps. Hein. Après, hein. Avec tout le respect. Mais la map est plutôt grande, mais je vois pas vraiment ce qu'on y fait. Je sais pas comment dire. C'est GTA, y a quand même... ils ont réussi à faire des trucs où on peut faire des trucs. Là, en vrai, c'est surtout un open world où tu fais n'importe quoi. Je vous dis, on est vraiment dans le jeu mobile gangster, je sais plus c'était quoi. Où y a rien dispo, mais juste tu fais de la merde, tu vois. Donc, en vrai... Oh, attends, le micro qui bouge, my bad. C'est ma faute. Mais tu vois pas un peu ce que je veux dire. On y est là? Mais y'a pas de parc. C'est ça le parc? Attends. Mais non. Mais non, mais je suis pas fou, j'avais vu un truc, non? Attends. Attends. Mais non, regardez. Bah c'est quoi alors? C'est où? Ah, c'est là alors peut-être. C'est là? Attends, je vais là où j'ai vu des habitations, quoi. Pourquoi j'ai ce véhicule là aussi? Vas-y, c'est bon, ça y est, ça dure 5 minutes ça. Oh bah ça c'est le véhicule du début. Magnifique, on a quoi là? Oh, belle Mercedes. Un peu Mercedes ça, non? Un peu, en vrai. Ouais, c'est bon, capte-toi, allez hop. Faut voir le... Attends, je juge le bruit. Ouais. Ouais. Ça casse pas trois pattes d'un canard, hein. Mais tranquille. Ah, c'est ça du coup, c'est le truc à droite. Non, rien à voir. Non, ça a rien à voir ça. Mais attends, mais je suis fou, je suis complètement con là. Wesh, il y a une boule. Oh, on dirait pas les billes quand t'étais petit là. Oh, je peux pas la bouger. Bon, ok. Ah attends, il y a le panneau qui est là. Bah ça doit être juste derrière, ça doit vraiment être là en fait. Non mais ça doit vraiment être là, je l'ai pas vu. Ça se trouve vraiment j'ai bégayé, hein. Ça a rien à voir. Non mais le décor est beau, le décor. Non, il y a un vrai truc. Y a... Oh, quoi par là? Ouais, c'est une maison et tout. En vrai, il y a beaucoup de choses à voir. Oh, oh mais oui. Bon là, c'est parfait. Saute. On peut? On peut pas? Oh si, si, j'allais dire. Oh là là, vraiment le jeu, vous foutez de ma gueule. Vas-y. Oh, c'est long. Ah, par contre, ça se veut un peu réaliste ou quoi là? C'est le seul truc qui est réaliste, c'est que l'hélico il peut pas voler comme ça. Mais il vole pas. Bah. Ah. Comment je fais là? Mais. Attends. Ah, c'est avec X. Ok. Et B pour descendre? Non, triangle pour descendre? Non, effrayant. Quand je veux redescendre? Ah, carré. Ok, oui, juste j'avais pas vu, en fait, je crois qu'ils avaient marqué. Et c'est avec la caméra que tu bouges. Ok, c'est pas très très intuitif, mais j'ai capté. Oh, on peut aller dans le ciel ou pas? Oh. Oh. Est-ce qu'on va être bloqué? Y'a un terrain de golf! Oh là. Mais mec, attends, mais ce jeu, c'est vraiment sous-côté de ouf.
Alors, par contre, ça. Oh là, par contre, je commence à faire bugger. Ah non, c'est. Ouais, je suis bloqué. Ok, non, j'aime bien pour l'instant. Là, j'aime bien un peu l'aventure, là. Tu vois? Mais c'est vraiment du bac à sable. C'est un bac à sable, c'est un monde ouvert. Mais je crois que pour 70€, ça faisait un peu mal. Alors. Bah, du coup, en Winsuite. Bah. Ah oui, j'allais dire, frérot, comment je dois faire? Par contre, je peux faire du golf ou pas? Attends, si je peux faire du golf, c'est bien. Mais j'ai pas l'impression que je puisse. Mais comment. Comment je dirige cette merde? Comment je dirige ça? Waouh. Toi, par exemple, là, je peux pas faire du golf. Non, je peux pas. Ouais, c'est con. Pourtant, il y a un golf, on peut pas y faire. Enfin, j'ai pas l'impression. Ou alors, c'est parce que je suis en code de triche. Peut-être aussi. Bon, en tout cas, peut-être qu'on fera une vidéo dessus. Je vais m'arrêter là. Sinon, on peut durer vraiment 40 ans déjà. Ouais, je vais faire des coupures. Je suis à 40 minutes de vidéo. On va se calmer. De base, les vidéos durent 10 minutes, avec tout le respect. Mais attends, fais voir juste la tenue, on sait jamais. Mais attends, mais. Ah non, mais tu vois, ça le problème, c'est qu'ils ont fait une map immense. Mais tous les trucs un peu ouverts, c'est à l'extérieur, c'est pas des bâtiments où tu rentres. Et bah ça c'est un peu con, ça premier degré c'est con. Parce que ça sert à rien de faire une map immense, tu peux pas... Moi j'ai envie de découvrir dans des intérieurs aussi, tu vois, c'est bien... Je sais pas, en vrai c'est une idée, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est tout pour moi, il y a un potentiel. Mais de toute façon, personne n'y joue, donc nique la mère. C'était Pierre-Alex, à la prochaine, sur GTA V, sur je ne sais pas quel jeu. Portez-vous bien, et ciao.